Donc ce matin, c'est Pilates. On a juste besoin du tapis, pas d'accessoires, rien d'autre. Notre corps. On va travailler tout ça. On commence simplement avec les pieds largeur de bassin. On peut essayer de soulever les orteils, de les écarter et de les reposer un peu plus espacés au sol. On joue un petit peu avec notre poids de corps. On met beaucoup de poids dans l'avant, dans les orteils. Du coup, on se retrouve un petit peu penché en avant. Et puis ensuite, l'inverse. On met un petit peu plus de poids dans les talons, on se retrouve un petit peu un déséquilibre arrière. Juste pour se rendre compte de notre poids de corps, qu'il y a des variations. Et du coup, ça nous permet de trouver le juste milieu, l'endroit où il y a autant de poids dans l'avant, dans les orteils, que dans les talons. Pas plus devant, pas plus derrière. Et du coup, c'est là où on est le plus aligné possible. On en profite tout de suite pour rentrer le nombril, resserrer la taille, engager le plancher pelvien. On ouvre la poitrine et de là, on essaye de faire des respirations thoraciques dans un premier temps avant de mettre les bras. Donc, le ventre ne bouge pas et c'est la poitrine qui nous permet d'inspirer, alors la poitrine se soulève, peut-être aussi les côtes qui s'ouvrent, mais pas le ventre. Et en plus de cette respiration thoracique, plancher pelvien engagé, on va pouvoir monter les bras vers le ciel pendant les inspirations et laisser les bras redescendre pendant les expirations. On est parti comme ça pour plusieurs respirations. On repense toujours, tout le temps, en continu, que le nombril ne se relâche pas. Il reste rentré pendant nos inspirations et nos expirations. Si tout va bien, on monte sur pointe. Toujours nombril, toujours plancher pelvien. À l'expiration, les talons se reposent. On est parti comme ça. Et d'ailleurs, c'est bien que je me rapproche parce que du coup, on voit clairement que je ne suis pas complètement tendue dans mes genoux. Il y a un léger pli. Donc, c'est un peu durci, un peu durci. Et hop, retour pour moi. Et la prochaine fois, on reste en haut. On reste sur les pointes. Alors, si on y arrive, hein, on reste sur les pointes. On essaie de tenir en équilibre, nombril, taille, plancher pelvien, respirez toujours encore par la poitrine, par les côtes, nombril rentré, plancher pelvien engagé, encore 4, 3, 2, 1, retour des talons, retour des bras, et bras, on peut en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau au passage. Bonjour Dominique. Tiens, j'ai un message aussi là. Ok. Très bien. Petite gorgée d'eau pour rester hydraté. Peut-être vous êtes à la tisane aussi le matin. Si ça peut nous aider à boire suffisamment, hein, faire des petites théières de tisane ou autre. Allez, on continue. Deuxième partie d'échauffement toujours, mais pour le dos cette fois-ci, on enroule, on déroule le dos. Pied largeur de hanche, beaucoup plus souple dans les cuisses. Nombril qui rentre, inspirez, ouvrez la poitrine. Au moment de souffler, on rentre le menton et on enroule le cou, le haut du dos. On enroule peut-être jusqu'à arriver main devant les genoux, devant les tibias. Petite inspiration avant de dérouler à nouveau tranquillement jusqu'en haut. Inspirez en haut, puis on souffle, on déroule. Et Odile. Et on est parti comme ça pour plusieurs allers-retours tranquillement. Peut-être aussi s'il y a des personnes qui ont vraiment la tension qui vacille, si cet exercice ne vous convient pas, peut-être que vous pouvez anticiper faire shavash ou juste comme ça à la place.
Ok, plutôt que de monter, descendre avec la tension qui vacille, si ce n'est pas votre exercice, ne le faites pas. Pas de souci. Allez, le prochain, on peut rester tout en bas. Peut-être poser les mains. Oui. Oui, on est souple, on pose nos mains. Ou alors, peut-être qu'on peut aussi attraper nos coudes. Ou peut-être enlacer vos jambes. Choisissez ce qui vous plaît le plus. On en profite en fait parce que ça étire pas mal, hein, là, tout l'arrière, les cuisses, les mollets peut-être aussi, le dos. Donc à voir est-ce que le dos, pas de coups de jus, hein, que ça étire, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, si ça envoie des coups de jus, on va hop, le zapper aussi, on l'évite. On veut laisser aussi la tête se relâcher complètement. Alors la tête ne se relâche pas, mais on relâche les muscles autour du cou grâce au poids de la tête. Et puis doucement, on peut soit reposer les mains, relâcher les bras, replier les jambes pour remonter progressivement. Et là, on prend notre temps pour que justement la tension revienne tranquillement, oups, petit à petit, jusqu'à arriver tout en haut et de nouveau se retrouver, hop, redresser, ouvert au niveau de la poitrine. Et on est tout bon. Allez, pour la suite, on ouvre un petit peu. Ouais, on va travailler un petit peu les cuisses ce matin. Les cuisses et les mollets. Donc ça, c'est pas un exercice que Pilates nous a enseigné. Mais par contre, un exercice qu'on trouve en cours de danse, barre de danse. C'est une façon de travailler les cuisses et le bas du corps un petit peu de la même façon que justement les exercices de Pilates, hein, d'où l'intérêt et d'où sa présence en cours de Pilates. Les pieds bien plus larges que les hanches, les pointes ouvertes, on plie dans les genoux et on emmène les cuisses et genoux même direction que les pointes, re-rentrer le nombril, resserrer la taille, réengager le plancher pelvien, du coup on peut serrer un peu les fesses hein, tant qu'on y est, et de là on reste en bas, ce sont les talons, un puis l'autre, qui décolle et recolle. Pendant ce temps-là, nous, le bassin, le corps, il reste en bas. Donc là, on est quasiment en isométrie au niveau des cuisses et les mollets qui travaillent de façon alternative. Donc c'est assez intéressant. Peut-être aussi, ça peut être intéressant de travailler comme ça sans avoir de grands mouvements, ni de saut, ni d'impact. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, par exemple, de travailler dans ce style d'exercice, c'est intéressant. Et puis, petit changement, les deux. Vérifiez que vous ne glissez pas, hein. Ne me finissez pas en grand écart facial un lundi matin à 10h. Ne faites pas ça. Oups. Toujours nombril. Allez, cette sensation de monter les organes. Il y a peut-être les fessiers hein, qui serrent avec. Faites un package. On peut dissocier, mais si d'autres choses se contractent, pas de panique, c'est pas grave. Contractez tout. Et restez sur pointe. On reste sur pointe, toujours encore les genoux, les cuisses vers les orteils, toujours nombril rentré. On peut descendre un petit peu. Peut-être qu'on peut chercher, alors les très très souples vont pas le sentir, mais peut-être que tous les autres, on le sent très très bien à l'intérieur des cuisses qui tirent. Ils tirent et contractent en même temps, ça fait un peu les deux. Encore 4, 3, 2, 1. Petite pause, le temps de relâcher. C'était notre première série. On en rajoute deux des séries. Allez, c'est reparti. On ouvre cuisses. On allonge le dos. Et c'est parti, talons. Un, puis l'autre. Un, puis l'autre. Oui. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Connexion a l'air de fonctionner. Petit. Ah, pour les respirations, souvent celui-là, ouais, ça m'échappe un petit peu. L'idée, c'est de continuer à respirer. Et là, on peut choisir plusieurs choses puisque l'effort est un peu continu. Finalement, on souffle dans l'effort, mais là, c'est un peu continu. Donc, du coup, on pourrait se dire, j'inspire, je souffle, inspire, souffle. Ou alors sur deux. Inspire, inspire, souffle, souffle. Pourquoi?
pas. Allez, les deux en même temps. Donc là aussi, on pourrait inspirer pendant deux mouvements. Et souffle, souffle. Inspire, toujours nombril rentré, c'est la poitrine hein, qui s'ouvre, qui inspire. Et reste sur pointe, restez. Descendez les hanches. Ça doit commencer à piquer. Encore 8, 7, 6, 5, aération, ventilation. 4, 3, 2, petite pause, petit relâchement. Bloup, 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 bloup. Ah, j'ai pas pensé, mais c'est encore les vacances scolaires, je crois. Troisième série. On peut faire cette séance avec les enfants. Hein. Si vous avez les enfants à la maison, aucun problème. Ils vont pas tout comprendre au niveau des mots, mais ça s'apprend très très jeune. En danse et en gym, on fait hein, cette histoire de transverse et de plancher pelvien. On l'enseigne aux enfants. Parce que c'est important, à chaque fois qu'il y a des sauts, ben voilà, faut qu'ils l'apprennent ou qu'elles l'apprennent. Petite, hein, faut contrôler son corps, faut connaître son corps. Donc, ok, ça fait rire un peu au début, les filles. C'est pas grave, aucun problème. Allez, les deux en même temps. Donc, pas de soucis, vous pouvez faire des challenges. Qui tient le plus? Est-ce que c'est les mamans ou les mamies qui tiennent? Parce que je sais que j'ai vu une mamie qui a peut-être ses petits-enfants. Après, je ne sais pas l'âge des enfants. Restez sur pointe. Allez, c'est la dernière série. On reste en haut. Descendez les hanches. Allez, toujours encore vers l'extérieur. On re-rentre. On allonge. Allez, serrez les fessiers. On serre tout. On fait un package. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Et cette fois-ci, tac, 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 ça resserre. Point de talon, ploup, 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 on relâche, ah, c'est bon quand ça s'arrête, hein. Petite gorgée d'eau, tiens, allez, faire ça, oui, tout le monde est là, je regarde si je perds personne quand je fais un exercice qui pique un peu. Allez, j'espère que vous avez mis une petite musique sympa à la maison, avant de continuer. Allez, petit étirement, parce que ça, je vais l'oublier après. Si je n'étire pas maintenant, à la fin du cours, là, vraiment, il n'y a aucune chance que j'y pense. Hop là, deuxième côté. On stabilise. Peut-être tenez-vous, hein. Chaise, mur. Le genou en arrière, le bassin, on rétroverse en avant. Donc le pubis qui avance, le nombril qui rentre. Oh. Ok. Parfait. On va pouvoir se mettre à un bout de notre tapis. Attention pour les poignets sensibles, les épaules sensibles. Hein. Si vous avez un doute, vous le zappez, quitte à remplacer par autre chose. Largeur de hanche pour nos pieds. On rentre le nombril, inspirez par la poitrine, on est reparti. On enroule, 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 enroule. Jusqu'à ce que les mains touchent le sol. Si les mains ne touchent pas le sol, eh ben on plie dans les jambes pour que les mains touchent réellement. Marche avant, marche avant, marche avant, marche avant, marche avant. Et si on reste en planche un instant, puis on pousse les fesses en arrière pour faire un chien tête en bas. Retour en planche et marche arrière. Ça nous serre un petit peu et déroule jusqu'en haut. Pardon, oubliez la fin. On en fait trois de plus comme ça. Ça nous fait un petit échauffement. Alors toujours encore pour le dos, mais aussi pour nos mains, nos bras. Ça nous permet d'étirer ce qu'on n'a pas étiré précédemment. Donc là, on est en train d'étirer cuisses, mollets, qui ont travaillé hein, pendant la série qu'on vient de faire. Tout en échauffant le haut du corps. Allez, deux de plus. Marche avant, marche avant, marche avant. On ne veut pas trop dandiner hein, dans les phases où on avance, où on recule. Vous voyez, on ne veut pas trop bouger au niveau des fesses, au niveau des hanches. On veut rester assez stable et vraiment fort dans les bras pour ne pas trop dandiner. Allez, j'attaque le dernier, le quatrième.
Il ne va pas remonter jusqu'en haut, le quatrième il va rester en bas. Un petit chien tête en bas, d'ailleurs on peut accentuer un petit peu, tiens c'est le dernier. On peut peut-être enlever un pied, vérifiez que vous ne glissez pas, hein. Ne glissez pas ni ne retrouvez pas le bout du nez par terre. Yeah, l'autre côté aussi, ça c'est bien, hein, les mollets là bien bien étirés. Et puis on peut reposer les genoux au sol. Genoux largeur de hanche, main largeur de hanche. Pendant les inspirations, on laisse le dos se cambrer. Et à l'expiration, on arrondit. Inspire, on peut même tourner les pieds orteils flex dans le sol. Et à l'expiration, coup de pied contre le sol. Puis retour au centre, donc pas plus cambré, pas plus arrondi, le dos neutre. Si les poignets sont sensibles, plusieurs solutions. Un, on peut reculer un petit peu les fesses et les mains. Du coup, on est vraiment très très appuyé sur les genoux et très peu sur les poignets. On a aussi d'autres possibilités. Tiens, attendez, je vais faire un truc cool. J'ai un double tapis. Du coup, j'ai pas forcément besoin de plier mon tapis. Vous voyez, j'en ai deux. Du coup, je peux me mettre au bord avec le talon de la main en haut et le reste de la main en bas de mon tapis. Ce qui fait que je ne suis pas à 90, je suis un peu penchée. Et donc, les personnes sensibles des poignets, des fois, ça vous sauve. Vraiment, ça vaut le coup d'essayer celui-là. Quoi d'autre? Des poignées d'appui peut-être, si vous avez ça à la maison. Allez, on est reparti. On rentre le nombril, on serre la taille, plancher pelvien engagé. On veut étirer la colonne loin derrière, donc pensez aux coccyx, aux ischios qui ont les os pointus des fesses, qui va aller loin derrière. Et devant, c'est le cou et le sommet du crâne qui veulent aller loin devant. Toujours nombril rentré, on prépare la main droite, on prépare le pied gauche, nombril toujours et on décolle sans bouger le reste. On veut s'étirer le plus possible. Étire, 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 étire. On ne veut pas juste monter, j'attends que ça se passe. Non, c'est vraiment pas ça du tout. Vraiment, on veut garder l'intention d'étirer. Alors, on voit le bras qui s'étire, mais pensez sommet du crâne pour que ce soit vraiment toute la colonne là qui essaie de s'auto-grandir. C'est là que les muscles profonds travaillent. On pourrait le faire sans le bras, hein, quelqu'un qui est blessé au niveau de l'épaule qui pique un peu. On peut le faire sans du moment qu'on pense au cou, au sommet du crâne, le dos, les ischions, pas de problème. Et on change de côté. Du coup, il peut devenir très très intense cet exercice hein, quand vraiment on le fait fort. On le sent bien. On prépare l'autre côté. La main gauche, la jambe droite. Je suis dans ma télé. Et on peut décoller, s'étirer. Et de nouveau, on veut penser à s'étirer loin devant. Le cou, la tête, loin, loin, devant, nombril, derrière c'est soit les orteils pointés, soit le talon, pied flex, là, hop, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, étire, toujours nombril, rentré, toujours taille serrée, 8, respire par la poitrine, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reposer. Petite pause, soit en arrondissant et creusant, soit en pause complet. Oui. Et puis c'est reparti pour une. On va faire les trois séries à quatre pattes hein, avec deux variantes. Donc là, ça y est, on a fait la version normale, super. Deuxième variante, ça va être toujours dans le même axe, main droite, jambe gauche. Et peut-être les petits battements. Je me tourne pour qu'on voit dans quel sens ils vont les petits battements. Alors, est-ce que je touche mon oreille? Non, ouais, si, je touche. Ok, du coup, je disais des petits battements vers le haut, à la verticale. Ok, voilà, on reste dans l'axe. Tout petit battement parce qu'on ne veut pas que le dos gigote en même temps. Juste bras et jambes, ça crée un petit peu d'instabilité.
Et donc, pour réussir à tenir quand même malgré les mouvements, nous, il faut qu'on serre encore plus fort. Donc, c'est ça la petite différence, le petit avantage de l'exercice. On prépare, main droite devant, jambe gauche derrière. On décolle, on s'étire. Ça, c'est vraiment la base. Étire, étire, étire. Et si c'est OK, on est parti. Petit battement. Vérifiez que ça ne bouge pas le dos en même temps. J'exagère, mais je préfère. Au moins, c'est clair. On veut s'étirer, 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 s'étirer. Allez, nombril rentré. On allonge. Nombril, nombril, nombril. Petit, 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 si tout va bien. Encore 8, 7, 6, 5. On peut faire sans le bras, hein. On peut faire juste la jambe si l'épaule est sensible. 4, 3, 2, 1. Posez. Posez et changez de côté. Allez, on reprépare tranquillement. Du coup, pour moi, c'est main gauche devant. Jambe droite derrière, nombril qui rentre, on décolle, on s'étire, étire, 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 étire. Et si ça va, c'est parti. Petit battement. Ici, on pourrait respirer peut-être sur deux temps, inspire, et deux temps, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle. Encore 4. 3, 2, et reposez, relâchez ou étirez, ou les deux. C'était notre deuxième série. Il nous reste une dernière série avec une troisième variante de l'exercice. Toujours sur les genoux. Une fois qu'on sera à nouveau décollé, bras et jambes opposés, cette fois-ci, on va ouvrir et refermer. Donc, je le monte dans l'autre sens parce que je pense que c'est plus parlant. Donc, ce n'est pas un mouvement qui monte ou descend, c'est un mouvement qui va sur le côté, qui revient. Le dos, lui, va rester absolument à la même place. Il ne va pas tourner avec les bras. Il ne va pas se dévier. Allez, je fais un petit coup de démo ici. Donc, une fois qu'on a décollé, allez, juste 10 cm, 15 grand max, et je referme dans l'axe. Je rentre ma tête histoire que peut-être vous voyez. Petite diagonale et reviens. Et là par contre, les respirations, on va vraiment les caler dessus. Quand on ouvre, on va souffler tout l'air qu'on a. On va encore réussir à resserrer la taille un peu plus fort sur l'expiration. Vous allez voir, ça resserre bien. Et quand on a vraiment plus d'air, ok, on revient au milieu. Et on va essayer d'en faire 8 d'affilée, ça sera la série complète. Et après, on posera pour changer de côté. Donc, je vais essayer d'enchaîner les 8. Par contre, vous pouvez très bien en faire 2 ou 4, petite pause, et vous rajoutez plus 2, plus 4, jusqu'à arriver à vos 7, 8. Très bien. Allez, le dos neutre, on rentre le nombril. Tac, tac, j'allonge le dos. Main droite devant, jambe gauche derrière, ça décolle. Peut-être la main un peu plus proche du genou. Et on est parti chacun à son rythme. Souffle, bras et jambes ouverts sur le côté. Souffle, 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 souffle. Quand vraiment j'ai plus d'air, je reviens au milieu, j'inspire, j'inspire, j'inspire et j'y retourne. Deuxième. Souffle, 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 souffle. Étire, étire, étire le cou, la tête devant, l'ischion, les côtes derrière. Et reviens au milieu, inspire. Troisième, souffle, 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 souffle. Et reviens au milieu, inspire. Quatre. Cinq. Reviens au milieu. Comptez pour vous, hein, si on n'est pas synchro, pas de problème.
pour moi, c'est tout bon. Ah, petite pause. Pour moi, je trouve que c'est le plus puissant celui-là. Et oui, c'est pour ça aussi qu'on pourrait vraiment faire les pauses. Hein. C'est vraiment une possibilité. C'est pas tout ça, mais j'espère qu'on en est à peu près au même point. Il faut qu'on fasse le deuxième côté, hein. Évidemment. Deux côtés de série. Du coup, pour moi, c'est bras gauche, jambe droite, fort dans les bras, on rentre le nombril, décollage, étirement. Et peut-être qu'on est parti. Diagonale, souffle, 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 souffle. N'hésitez pas à couper votre série en deux, on fait 4 plus 4, ça marche très bien. Ou 2, 2, 2 et 2. Ouh, je commence à sentir chauffer. Hier j'ai fait muscu, jambes et fesses, et là je sens les fessiers qui crient au secours. Ah, bonne nouvelle, fini pour moi. Petite pause, soit en mobilisant le dos, dos rond, dos creux, ou en posant simplement pour laisser le dos s'arrondir, s'étirer en douceur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait nos 3 séries. Renforcement du dos, de la chaîne arrière. On va pouvoir relâcher tout ça, boire pour rester hydraté. Allez, ouf. Je change ma bouteille pour moi. Et on va passer à la suite. Je remets partout. Non. Allez, la suite. On va commencer à travailler l'avant du corps, les cuisses, le psoas, les abdos. Et pour cela, on va pouvoir laisser les jambes. Alors, on va essayer tendu. Et si jamais vous sentez que ça ne le fait pas, jambes tendues, bien sûr, vous pourrez replier. On va tester, on va voir ça. Assis avec les ischions enfoncés dans le sol. On rentre le nombril, on serre la taille. Inspire par la poitrine, on va souffler, on arrondit le dos. Complètement, et du coup on va passer sur les muscles et le gras des fessiers. Vos jambes vont glisser pour vous accompagner et arriver allongé. Le dos redevient neutre, on n'est plus dos rond, ni cambré, hein, ni l'un ni l'autre, neutre. Inspire, étire, et on commence en soufflant, on décolle tête, épaule. Souffle, 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 bien étirer loin devant. Et retour, dos long, fesses enfoncées. Donc je disais, on peut replier les jambes, pas de problème. Et on peut aussi, la fameuse option que j'oublie de temps en temps, parce que j'en ai pas besoin du coup, c'est de mettre une serviette, un rouleau de serviette qui va arriver au niveau le plus cambré, le plus creux de vos lombaires. Ça va vous permettre d'avoir un petit support. Et peut-être que vous allez réussir cet exercice un peu mieux. Donc à vous de voir si vous voulez, hop, plier un peu les jambes. On peut bien sûr venir se tenir. Ok, moi ça glisse tellement, je ne peux même pas me tenir sur mon legging. Ok. Et toujours se remettre en place ici, dos neutre. Et quand on est allongé, dos neutre aussi. Donc je disais, moi je n'ai pas besoin. Ça m'a évidemment.
expire en bas et souffle. Inspire en haut et souffle. Si votre tapis c'est un tapis de yoga et qu'il est antidérapant, peut-être que ça vous emmène le tapis là, les descentes. Peut-être que c'est plus une gêne. Hein. Allez, un dernier et on pourra rester allongé. Si vous aviez la serviette, on l'enlève. On retrouve juste le tapis. Tac, on peut replier les jambes aussi. Et du coup, on va sentir le bassin, donc l'arrière du bassin, les fesses qui appuient vraiment au sol. On remonte un peu plus haut et un creux au niveau des lombaires, plus ou moins, selon chacun. Le milieu du dos et le haut du dos posent complètement, ok? Et creux au niveau des cervicales, hein. Souvent je dis même pas cervicales parce que elles sont complètement décollées, hein. Là, il n'y a rien qui touche. L'arrière du crâne, oui, ça touche. On va pouvoir mettre les pointes de pied au sol, sauf si ça fait des crampes, vous faites l'inverse, faites les talons, choisissez, léger, 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 hein, on n'appuie pas, c'est très très léger, c'est pour ça que sur les orteils, c'est une bonne solution. Nombril rentré, et là on veut absorber les organes un peu plus haut dans le ventre, et on est parti pour souffler, tendre une jambe en diagonale, et inspire, repose les orteils, l'autre côté, souffle, 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 souffle. Inspire, 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 inspire. Souffle, 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 souffle. Inspire, 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 inspire. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, souffle, souffle. Inspire, 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 inspire. Pendant ce temps-là, il faut vérifier que le dos ne bouge pas. On a toujours le point d'appui fort au niveau du bassin. Pas d'appui au niveau des lombaires. Toujours nombril rentré pour ne pas bouger le dos. On garde la même position. Et puis, on peut reposer les pieds complètement. On attaque le même avec une deuxième variante. Décollage de la tête et des épaules. Tête et épaules décollées. Alors, on peut lever les bras, mais on peut aussi tenir notre tête à condition. Parce qu'en fait, il y a aussi cette histoire de... Je lève la tête, mais je laisse les épaules au sol. Et donc là, c'est de la triche. Déjà, les cervicales sont pliées, donc déjà, c'est pas une très bonne idée. C'est une très mauvaise habitude. On va jamais se blesser en une fois, hein. Mais c'est une mauvaise habitude. Et en plus, vous trichez parce que les épaules sont encore au sol. Et du coup, les abdos, ils sont pas obligés de se contracter à fond, hein. Ça tient à peu près tout seul avec les bras, ça suffit. Donc attention, quand on tient la tête, attention de réellement décoller ici. Les omoplates, décollez vraiment les épaules. Donc c'est pour ça que celui-là, j'aime bien, si vous arrivez à mettre les bras là, ça peut être une bonne idée. On allège les pointes, oui. Le dos toujours neutre, donc il y a toujours mon petit cambré ici, mais en haut, j'ai levé. Allez, on est reparti pour le même. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, 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 etc. Si on sent que là, ça tire trop au niveau des muscles du cou, évidemment, on peut tenir le poids de la tête, à condition, je disais, de ne pas reposer les épaules en pliant les cervicales. La petite nuance. Là, je vais les enlever comme ça, on est clair. Oui, oui, oui. Si vous ne sentez pas l'exercice, c'est peut-être que vous appuyez le deuxième pied fort au sol. Alors, levez-le limite de 1 cm et en le levant d'un centimètre, vous allez voir, vous allez sentir les abdos. Aucun problème. C'est pas la peine non plus de venir ici. On veut vraiment rester en diagonale. J'essaie de penser à tous les cas de figure. C'est plus simple de vous avoir en vrai. Au moins, je sais quoi dire efficace pour chacun. Allez, peut-être les deux. On est des dingues ce matin. Peut-être juste sans toucher, hein. Souffle, souffle, souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, souffle, souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, souffle, souffle. Et reposez. On repose les épaules. Et on peut même emmener, oh oui, les cuisses et les genoux sur le ventre. Se laisser rouler en boule. Les abdos ont travaillé.
mais les muscles profonds du dos aussi. Double effet. Allez, on est parti sur le côté. Allongé sur un côté. On étire notre bras loin. Les pieds loin de leur côté. On vérifie qu'on se retrouve comme couché sur une poutre. Il n'y a pas les pieds qui dépassent la poutre devant ou le ventre qui... Vous voyez la petite banane comme ça en arrière non plus. Donc on vérifie, on check un petit peu. Hop, le bras du dessus, il va devoir vraiment nous tenir. On ne peut pas le faire autrement. Ça tient systématiquement. On rentre le nombril. Il y a peut-être le petit creux de la taille ici, en tout cas on aimerait. Décollage de la jambe du dessus. Décollage, hop, léger de la jambe du dessous. Vous voyez que c'est hauteur du bassin, hauteur des épaules. Les jambes ne vont pas être au-dessus, hein, juste à peine. Et puis on est parti pour la jambe du dessus. Ça plie devant. Donc du coup, je fais monter la cuisse, le genou devant moi. Souffle et inspire bien. Souffle, souffle, inspire. C'est comme si on pédalait avec une jambe. Pendant ce temps-là, on vérifie, là, pendant que la jambe du dessus a fait son petit exercice, que l'autre ne parte pas en arrière. L'autre, elle reste à sa place au-dessus de la poutre imaginaire. Souffle, souffle, inspire. Souffle, souffle, inspire. Souffle, souffle, inspire. Souffle, souffle, inspire. Tenez fort. Si celui-là, vous n'avez pas besoin du bras, c'est qu'on a un problème. Hein? C'est que, je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être que vous trichez avec l'autre jambe qui part derrière. Ah oui, peut-être que le corps est en train de se tourner si vous n'avez pas besoin du bras. Donc attention à bien bien respecter la position de départ. Et on ramène, on repose, on change de côté. Hop là. Et c'est reparti de l'autre côté. Le bras qui s'étire. Les jambes, les orteils là qui s'étirent de leur côté, même si on n'a pas encore décollé. Ombril rentré, taille serrée, fesses serrées, tout serré. Décolle la jambe du haut. Décolle la jambe du bas. Ok, à partir de là, on ombril, on peut se tenir fort et c'est reparti, jambe du haut. Plie, tend, reviens, reviens, reviens. Souffle, souffle, inspirez, ne lâchez pas l'intensité. Souffle, souffle. Inspire, tire les pointes. Souffle, souffle, pied flex. C'est le talon qui ramène. Et souffle, souffle, inspire. Alors moi j'arrive à le mettre quasi à 90. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas aussi souple. Ça peut être à mi-chemin, hein, c'est pas un problème. Souffle, souffle, vous voyez ici c'est une... Très bien. Souffle, souffle, inspire. Souffle, souffle. Inspire, souffle, souffle, inspire, souffle, souffle, inspire. Ah, dernier. Et reposez les jambes. Retour sur le dos. Très bien. Retour sur le dos, on va pouvoir décoller à nouveau la tête, les épaules. Oui. Cette fois-ci, décollage. Des deux pieds, 90 pour les deux genoux. Le dos reste neutre. On ne veut pas trop appuyer. Enfin, on veut pas trop. On veut pas appuyer les lombaires dans le sol. Par contre, on ne veut pas cambrer davantage. Peut-être tenir. Et on est reparti. Diagonale. Et inspire. L'autre jambe. Et inspire. Souffle. Et inspire. Souffle. Et inspire. Ah, peut-être qu'on peut descendre jusqu'au ras du sol, à condition que ça ne cambre pas. Il faut essayer de sentir jusqu'où on peut aller tout en étant capable de remonter. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Puis on peut ramener, hop, les cuisses sur le ventre, reposer les épaules et la tête. Ok.
De là, on va pouvoir... Attendez, faut pas que j'en oublie un. Il me manquera la deuxième version de celui-là. Ok. On enroule le dos. Jusqu'ici. Tendez les... Oh, bah, peut-être tant qu'on est assis, faire une pause boisson, c'est une bonne idée, ça. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à faire des pauses quand vous avez soif et buvez quand vous avez soif. Des petites gorgées d'eau tout au long de la séance, pas toute la bouteille d'un coup, mais des petites gorgées régulières, nickel. Ok. Allez, c'est là que, à nouveau, on aura des appuis au niveau des poignets, bon, coudes, forcément, épaules. Donc peut-être, si vous avez des sensibilités, peut-être que celui-là, vous pouvez aussi le zapper et refaire à la place. C'est pas l'équivalent, mais dans le même esprit. Ce serait le petit poumon à la place, ok? Hop! Donc si tout va bien pour le haut du corps, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos jambes? On veut garder une jambe tendue et une jambe pliée. Allez, moi je vais garder ma gauche tendue, pliée, ma droite. Peu importe, on fera les deux côtés tout de suite enchaînés. Du coup, peu importe ce que vous prenez. Ensuite, au niveau de nos épaules, on ne veut surtout pas subir la position et le poids. Au contraire, on veut repousser, sortir la poitrine. Et pour l'exercice, pensez que c'est votre sternum qui est étiré, comme si vous aviez un crochet qui se faisait monter vers le ciel. Alors, peut-être pas le ciel au-dessus, mais le ciel en diagonale, c'est bien. Ok, on en fait 4 d'une jambe et 4 de l'autre, ça nous donne. Donc, je sors la poitrine, je reste active. Souffle, 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 souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, 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 souffle. Inspire, j'en fais 4 d'un côté et 4 de l'autre. Vous pouvez aussi faire 2 et 2. Pas de problème. Tout en sortant la poitrine, tout en étant fort dans nos épaules. On ne le voit peut-être pas du tout d'ailleurs, je ne suis pas sûre. On ne veut pas être en hyper-extension au niveau des coudes. On laisse là aussi un léger pli, comme dans nos genoux. Du coup, je ne sais pas, je pense que c'est mon dernier. Dernier d'un côté, hop là, changement de jambe et c'est reparti, sors la poitrine, rentrez le nombril, resserrez la taille et souffle, 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 inspire, 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 souffle, 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 n'oubliez pas, vous avez l'option petit pont hein, si vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous, les poignets, etc. On va jamais forcer hein, si on a une sensibilité. Je ne sais pas combien je suis, allez, 4. Et puis on peut reposer les deux pieds, tourner les poignets et se retrouver, hop, dos au rond pour dérouler au sol. Et donc on en arrive à ce que j'avais peur d'oublier avant. Chaise renversée pour nos jambes, décollage des épaules. Donc avant on a fait cette version-là, ou avec les mains là, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Ok, on passe à la... version qui pique un peu plus, les deux mains sur une cuisse et soit en diagonale et revient, on change de cuisse à chaque fois, souffle, souffle, souffle. Et donc c'est là qu'on va rajouter la consigne que j'aime beaucoup, c'est la consigne où les mains poussent votre cuisse, mais la cuisse elle pousse sur vos mains. Il faut pousser fort, souffle, 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 reviens, inspire, l'autre côté, et inspire, sans que le dos ne bouge, sans reposer les épaules, on est parti. Inspire, souffle, 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 souffle. Inspire, souffle, souffle, souffle. Tout le monde est encore là. Ouais. Souffle, 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 souffle. Inspire, souffle, 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 souffle. Inspire, souffle, 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 souffle. Inspire, souffle, 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 souffle. Allez, on appuie, on appuie, on appuie. Encore, nombril. Allez, dernier de chaque côté. Et puis on peut reposer. Alors peut-être en boule, mais peut-être que vous avez envie de vous étirer complètement. Pourquoi pas? Prenez celui qui vous fait le plus de bien. On enroule le dos.
retour jusqu'en haut. Donc à nouveau, on a la même série, soit 4 à droite, 4 à gauche, celle-là pardon, ouais, celle-là, 4 à droite, 4 à gauche, ou peut-être, les deux jambes tendues. Donc à vous de voir, vous pouvez très bien, si vous avez fait avant 4 et 4, vous pouvez essayer tendu pour voir si ça le fait. Si ça le fait, bah écoutez, ma foi, 2, 4, 6, 8, comme vous pouvez. Et sinon, on en refait quelques-uns d'un côté, quelques-uns de l'autre. Si vous n'aviez pas fait cet exercice, je vous rappelle, vous avez ces exercices de petits ponts qui montent, qui descendent, peut-être qui montent sur pointe. Je resserre un tout petit peu mes pieds. Peut-être qu'il décolle complètement. Ok. Peut-être qu'il fait des extensions de jambes devant. Ok, vous avez plein de variantes. Prenez celle que vous connaissez, la variante. Ne faites pas une autre. Allez, pour moi, c'est parti, je m'en mets 8. Du coup, en montant, toujours encore ce fameux sternum qui monte, je vais essayer d'envoyer les orteils vers le sol, comme si les orteils pouvaient toucher le sol. Sauf si ça vous fait des crampes, c'est nouveau les talons. Allez, sortez la poitrine. Les bras sont un peu plus larges que... Oh, ça ne vaut pas non plus. Si, allez, c'est plus large que mes épaules en tout cas. Tac. Et c'est parti pour moi. Toujours en pensant à la poitrine qui se soulève. Au nombril qui est rentré. Ah, cette sensation, là, les orteils, on veut les emmener au sol. 3. Souffle, 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 souffle. 4. Souffle, 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 souffle. 5. 6. 7. Et 8. Et quand on est à nos 8, alors on peut reposer. Peut-être se mettre en boule, mais surtout, on va pouvoir étirer une jambe vers le ciel, puis l'autre. Parce que ça a musclé le dos, mais aussi toute la chaîne arrière. Ça veut dire que là, on a aussi travaillé l'arrière de la cuisse, les fessiers, donc lombaire. Ça, on savait. Haut du dos, on savait. Allez, les deux jambes vers le ciel. Décollage pour les épaules, c'est la dernière des abdos. On choisit la langue qu'on veut, deux petits battements et change. Souffle, souffle, change. Souffle, souffle, change. Souffle, souffle, change. Souffle, souffle, change. Souffle, souffle. Peut-être que c'est juste la cuisse. Hein. Essayez de trouver chacun. Hop. Le bon niveau pour notre ciseau. Nos stésors. Souffle, souffle. Souffle, souffle. Souffle, souffle. Encore un petit côté. Et restez. On peut accrocher les doigts, les mains, les doigts là où on peut. Et reposer la tête et les épaules. Même chose de l'autre côté. On attrape et on essaie de reposer la tête et les épaules. Ok. Allez. De là, on va pouvoir remonter dos rond. On va pouvoir passer sur les genoux, oh, boire une gorgée d'eau. Oh. Allez, on est parti pour étirer notre fameux psoas. 90 devant, hop, 90 derrière. On rétroverse le bassin. Et on avance le bassin et le corps de 2 petits centimètres jusqu'à ce qu'on sente l'étirement ici. Est-ce qu'on a fait des bras? Non. Ok. Allez, si on rajoute bras vers le ciel. Donc du coup, si c'est votre genou droit, il faut faire toute la ligne côté droit.
peut-être faire un C sur le côté. Je viens de voir une nouvelle orchidée qui a ouvert ses boutons, qui est en fleurs. Ouais, j'ai une grande famille d'orchidées. C'est la fête. C'est très très vert. Allez, on peut changer de côté. C'est mon petit rayon de soleil aujourd'hui. Voilà, une petite orchidée qui s'est... On rétroverse. On avance. Peut-être le bras. Donc le bras, c'est vraiment un leurre. Il faut sentir déjà le bassin. Alors c'est pas le bassin qui tire, hein, c'est le psoas. Ou il y a une partie de la cuisse aussi hein, qui remonte aussi haut. Donc peut-être qu'il y a un bout de quadriceps là qui étire en même temps. Et le bras, c'est peut-être pour nous aider à étirer, à monter les côtes un peu plus. Et peut-être à créer des étirements plutôt ici. Peut-être sur l'avant, les côtes, le côté, les côtes. Donc c'est un petit plus, mais c'est pas le bras qui vous fait étirer la hanche, hein, on est bien d'accord. Après, si ça apporte un plus, autant le faire. Oui. Et puis, retour sur les deux genoux, orteil retourné. On peut, alors, peut-être s'asseoir comme ça direct dessus, ok, super. Peut-être pas tout le poids, hein, peut-être qu'il faut faire moite-moite. S'appuyer un peu sur les bras et un petit peu sur les pieds. Puis de là, on peut passer accroupi, dérouler tranquillement. Tranquillement, déroule, 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 déroule. On arrive tout là-haut. Prenez le temps qu'il vous faut. Attendez que la tension vraiment revienne en entier. Hein. On va pouvoir ouvrir la poitrine, sortir la tête des épaules et souffler dos rond. Ouvrez, inspirez. Et soufflez dos rond. Allez, le prochain, il va jusqu'en haut. Jusqu'en haut, inspirez, tire. Et là, il n'y a plus qu'à relâcher les bras. Relâchez tout. On peut relâcher les jambes. On est tout bon. Pour notre séance du lundi matin, Pilates. Allez, ça met en forme, ça met de bonne humeur. Oh, dis donc, ça décoiffe. Allez, voilà pour notre séance. J'espère que ça a été pour vous. J'espère vraiment que je vous propose des options qui vous correspondent. Oh, voilà, que vous choisissez les bonnes options aussi. Hein. Ça n'a rien de faire plus dur et après d'avoir des trucs encore plus sensibles. Donc vraiment, j'espère, je croise les doigts pour que chacun y trouve, voilà, fasse son cours parfait pour son niveau et sa forme du jour. Voilà pour notre petit cours du matin. Ce soir à 18h, c'est cuisse abdos fessiers. Donc on peut largement faire pilates et cuisse abdos fesses le soir. Aucun problème. Bien au contraire, c'est très bien. Quoi d'autre? La suite du programme cette semaine, c'est la totale. Hein. On continue. Demain soir, c'est circuit minceur. Mercredi matin, c'est avec Benoît sur Google Meet, à 10h, gym d'entretien. Qu'est-ce qu'on a encore? Mercredi soir, c'est 18h avec Audrey Pilates. Jeudi soir, 18h, yoga. Vendredi soir, 18h, renfo audio pour compléter le lundi. Voilà, voilà. Et vous avez aussi, je vous ai filmé un cours de Zumba la semaine dernière. Du coup, il est en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez rajouter un petit cours cardio dans la semaine, dans le week-end. C'est tout bon. Je peux pas vous répondre en chat parce que j'ai pas le bon compte de connecter, du coup j'ai pas accès. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. J'espère en vrai. Hein. Je suis en train de réfléchir pour faire des séances en extérieur parce que je sais plus, faut que je travaille normalement avec des gens. Voilà, en tout cas je vais voir en fonction de ce que je peux et vérifier au niveau de la loi en fait, c'est compliqué. C'est 6 personnes, dont le prof pour l'instant. Donc je vais vérifier l'évolution, donc 6, on est mal. Des gros bisous à tout le monde et à tout à l'heure. Ciao, ciao!